Poufouf YouTube, bonjour mes abonnés préférés, comment allez-vous? C'est ton streamer YouTubeur préféré, DiabloX9, alias Monsieur Asuper. Et aujourd'hui, j'ai eu un tournage et on est tombé en panne dans la vraie vie, attention hein. Et je me suis dit, on va reforger un petit peu sur un 4L, parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On est tombé en panne, j'ai rien pu faire, je savais rien faire, c'est surtout que je savais rien faire. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un peu de réalité sur A4L pour apprendre à réparer une voiture. Donc du coup, on est en DP. Voilà, donc aujourd'hui, il y aura des accidents. Aujourd'hui, il y a des explosions. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont mourir, mesdames et messieurs. Mais rassurez-vous, tout le monde ira bien à la fin. Donc, en avant pour une nouvelle patrouillage. Et merci à Miru. Et il y avait également un autre réabonnement Fury. C'est très gentil à vous. Et pour information, sur YouTube, vous pouvez également vous abonner pour ceux qui viennent jamais sur Twitch. Mais si vous voulez le faire, c'est également dispo sur YouTube. Alors aujourd'hui, histoire de changer un petit peu d'habitude, je prends pas de plateau. Parce qu'aujourd'hui, on passe pas le permis moto. Aujourd'hui, on va changer un petit peu voilà, tout ce qui appartient au registre de la musique. Donc des guitares, des violons, des flûtes, des batteries. Et si jamais ça merde, bah je deviendrai humoriste. Donc vous savez quoi faire. Soit je fais des vidéos, soit j'ouvre un one-man show et je serai le prochain Kev Adams. Ou le prochain... comment il s'appelle? Je sais plus. Un gars du Nord qui fait des blagues. Danny Boone. Danny Boom. Bref. Du coup, pas de plateau aujourd'hui. Je prends ça. Et cela dit, j'ai envie de vous teaser un truc. Je tease, mais je dis rien, d'accord? Et on tease entre nous, mais je dis rien. Venez, on fait ça. En gros, je connais quelqu'un qui a ça en version poids lourd. Enfin, il faut un permis poids lourd pour le conduire, d'accord? Il serait peut-être chaud, écoutez bien, il serait peut-être chaud pour me... pas me le prêter à moi, j'ai pas de permis poids lourd, mais pour qu'on fasse une vidéo tuto comment remorquer une voiture dans la vraie vie. Ça sortira sur la chaîne Life. Je lui ai proposé l'idée, il m'a dit ouais, ok, mais il faut qu'il réfléchisse, tu vois, mais peut-être qu'une idée qui est partie sur un jeu vidéo, on va peut-être pouvoir le faire dans la vraie vie. Donc suivez Instagram et suivez ma chaîne Life, parce que y a un garage qui serait potentiellement chaud pour me prêter non pas une voiture, mais une dépanneuse. Bon, je sais, on s'en bat un peu les bonbons, mais ça peut être vraiment drôle, voilà. Donc écoutez, peut-être un tuto, comment remorquer une voiture quand on a une dépanneuse. Je suis persuadé que, voilà, il y en a parmi nous, ils ont des dépanneuses chez eux, ils savent pas comment ça sert, ils savent pas comment l'utiliser. On va faire un tuto, voilà. Mon but c'est de faire ça avant la fin de l'année, donc suivez les réseaux, parce que si on arrive à faire ça, après je trouve une boîte d'ambulance et on se fait un RP ambulance dans la vraie vie. Après, je trouve une boîte de sécurité et on fait un RP sécurité dans la vraie vie. Enfin, ça va être incroyable, mesdames et messieurs. Ça va vraiment être fou. Le roleplay réalité qui va dégénérer, ça va être incroyable. Donc, on va commencer par un plateau. J'en ai trouvé un. Normalement, coming soon. Ça va être incroyable. Voilà, je vous le dis. Je tease. Ça va être fou. Bon, alors du coup, prise de service, tout ça. Et puis, on va aller sauver les gens. Voilà. En avant. Bisous YouTube. Pause. Bah j'ai fait ma prise de service, mais il y a déjà drama. Il y a pas de plateau de dispo et les seuls DP qu'il y a, ils ont pas de plateau. Et bah tant pis. Hein, voilà. Plateau, j'en fais déjà assez souvent. Moi je veux faire du petit camion. Alors du coup, donc j'ai mon petit camion de réparation. J'ai 8 repair kits sur moi, on réparera sur place. La dernière fois, je vous ai montré différents types de roleplay en DP qui sont possibles. Je vous ai fait un magnifique RPDP avec le plateau Tinky Twinky. Après, je vous ai fait un magnifique RPDP avec le plateau Tinky Twinky et le véhicule de remplacement. Là, on est en plateau, on répare sur place et on se barre et on se fait payer, terminé, bonsoir. Sauf si le véhicule est détruit. Et vous allez me dire, et s'il y a besoin d'un plateau, comment tu fais? Bah, s'il n'y a pas de plateau de dispo... Bah, il n'y a pas de plateau de dispo, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Quand on appelle la police et ils répondent pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on appelle la sécu? Bah, on appellera la sécu. En plus de ce que j'ai compris, il y a un event, on est DP2 pour info. Donc, on va aller voir ce que c'est. Intervention au niveau de
l'entrée de l'union, il y a une autre qui est accidentée. Ah. Ok, c'est celui. Allez, go. On va aller voir un petit peu. Il y aura un event chez les SP. Je crois qu'ils font brûler des VSAV, il y a un truc comme ça. Centrale de DP2. Transmet. Ouais, sans savoir, du coup, je te relance. Je suis en activité, prise de service effective et doc à jour. T'as accès au doc? Oui, oui, j'ai accès au doc. Est-ce que quelqu'un peut prendre la centrale, s'il vous plaît, parce que j'ai pas la gérée, là, sur l'événement. Vous voulez qu'on gère la centrale ou pas? On dit rien. Est-ce que DP1 ou DP2 peut prendre la centrale? Moi, je dis rien. On dit rien. Bah, si DP2, il la veut, moi, ça m'arrange. Non, vas-y, je te laisse faire DP1. Je suis un salaud, non? Est-ce qu'on... Ok, super. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On prend centrale. DP1 en pleurs. Go mettre des cœurs pour DP1, mesdames et messieurs, qui regrette. On va écouter un petit peu. On va voir, on va voir, on va voir. Trop drôle. Non, je pense que je vais prendre centrale. Je vais pas le laisser galérer, mais juste pour le plaisir. On laisse un peu, vous voyez ce que je veux dire? Juste pour 2 minutes, on peut le laisser 2 minutes. On laisse tranquille 2 minutes et puis je reprendrai vu que je vois qu'il est pas très très chaud. Il est pas très très motivé. Il a le zoom. Oh là là. Oh. Négatif, peut t'appeler quel niveau? Je vous ai placé un point depuis Union direction rond-point quai. Pour le soutien à DP1 mode. Merci, Master. Bah, pour l'instant, pas de dépanneuse, mais on va remédier à tout ça. Merci. Mais il s'en sort bien là, non? Bah, si, il s'en sort bien. Nous, on va aller voir. Il y a un event, on check ça, et puis après, je prends ma centrale et tout. DP1 pour DP2? Il répond même plus. DP1 pour DP2. Il n'y a plus de DP1 parce que moi du coup je suis passé central. Ok, et moi je suis DP1 du coup. Bah oui, après si tu veux la centrale. Non mais central il est toujours là hein. C'est juste que pour le moment il est inactif. Ah ouais, c'est bon, en attendant, ok ça marche. Ah ouais, et si tu veux je prends la centrale dans 5 minutes. Essaye de pas tout casser, toi t'es toujours DP1, moi je suis DP2 et central il est là, c'est juste qu'il est indispo. Que ça marche, ouais, parce par contre, que... T'as accès au doc ou pas, DP1? Négatif. Ah ouais, bon mais bah. Il est rentré où? De quoi? C'est la guerre il encore. Il est rentré sur le doc. Ok, ça marche. Bah du coup, t'es toujours DP1. Thomas Béron s'est mis. C'est toi, DP1? Oui, c'est ça. Ok, bah t'es DP1 en remplacement central et moi, je prendrai dans 5 minutes DP2 central. Ça marche, mais central est là, il est juste inactif. Ok, c'est bien reçu. On va y arriver, rassurez-vous. Heureusement que je suis là. Hein. On est là. Merci Master Chat. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Centrale pour DP2. Transmet. Ouais, je suis à la caserne de pompiers. C'est ta dépanneuse qui est là? Oui. Il se passe quoi? NR baissé. Ah, ils sont en manœuvre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Ok, ça marche. Regardez. Eh, c'est vrai, je voulais pas montrer ça, vous allez kiffer! Regardez. Y'a pas quelque chose qui vous paraît bizarre sur cette voiture, mesdames et messieurs? N'est-il point? Bienvenue, monsieur Chien Super. Big up, together to the future. Écoutez bien, ça vous allez kiffer. En gros. Je vous l'ai déjà expliqué, mais vous l'aviez peut-être pas vu en vrai. En gros, la dernière fois, il y a un pompier, il voulait qu'on rajoute des véhicules civils en SP. D'habitude, on ajoute des voitures qui sont de couleur rouge. Pompier, vous voyez, pour faire genre, oh là là, il y a un accident pour les manœuvres. Et moi, j'ai poussé l'idée plus loin, je me suis dit, attends, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire une voiture accident, spécialement pour vous. Skyrix a dit ok, et il a taffé là-dessus. Donc, c'est une Sirocco R et on peut découper des bouts de la voiture. Et donc, on peut enlever les portières, on peut enlever le capot, on peut enlever peut-être une partie du coffre. On peut enlever plein de trucs dessus et vous voyez, elle est accidentée. Et donc, ça sert aux manœuvres. Voilà. Donc, je vous le montre. Parce que du coup, c'est...
Du coup, c'est pour ça que les collègues, okay, ils sont pas là. T'as pris quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que le central, là, il se balade ici. Parce que du coup, il a ça. Et je me demandais pourquoi t'étais occupé, je comprends mieux. Ils l'ont déjà utilisé ou pas ? Encore. Pas encore ? Ils m'ont demandé de la charger. Essaye de pas la faire exploser ? Ce serait dommage. Ouais, ils m'ont dit surtout, faut pas que je l'abîme. Ah, j'imagine bien. Ils ont fait le tour avec toi des rayures et tout ? Non, ils n'avaient pas, ils m'ont dit. Oui, t'as les clés ? On dit qu'il y avait pas de... Hein, t'as les clés du véhicule ou pas ? Ouais, ouais. Allô ? Tu veux pas me les prêter que je regarde un truc ? Attends. Vas-y, c'est quoi ton RIB ? Vas-y, 41-240. Ouais, tac. Merci. Donc vous voyez, elle s'appelle... Ouais, arrêtez. Elle s'appelle Sirocco Crash. Ouais, pour t'informer que et... j'ai changé de véhicule parce que... Y a regardez. Véhicule abandonné, etc. Voyez, du coup, je prends une... Enlever une... porte gauche. Une dépanneuse d'art ? Ouais. Voilà. Okay, c'est sûr. Je vous montre pas le reste, vous verrez, les pompiers vous le montreront. Merci. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a zéro mytho. On a vraiment fait une voiture spéciale, spécial accident en fait. Voilà. Arma for life, tout ça, voilà, trop bien. Parfait, vas-y, je te remercie, je vais aller aider le collègue, à tout ouais, à l'heure. Bien. Merci à toi. Ouais, donc voilà, stylé, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, de suite, je réponds à une question. Non, on va pas faire ça pour toutes les voitures. Ça demande un taf de fou furieux. Je sais pas si vous vous rendez compte, la dernière fois, je vous ai montré toutes les voitures qu'on avait. Ça demanderait un travail qui n'aurait pas d'intérêt. Si on faisait des... Si toutes les voitures pouvaient se rayer, s'abîmer, etc. Vous le savez très bien, les voitures, elles explosent, elles prennent feu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se fâche à faire des rayures dessus ? Mais pour les manœuvres, vous voyez, pour les pompiers, etc., il y a un côté sympa à avoir une voiture que tu peux découper. Mais pour le commun des mortels, la moitié de vos bagnoles, elles finissent dans l'eau ou elles explosent. Pas d'intérêt, je vous assure. Avoir une rayure sur le côté, il n'y a pas besoin. Mais voilà un petit peu le délire, mesdames et messieurs. C'est plutôt bien fait, je trouve aussi. Je trouve aussi. Après, je vous ai pas tout montré. Comme c'est un véhicule spécial RP pompier, je vais pas tout spoiler, tu vois. Je pense qu'il y a peut-être des pompiers qui ont déjà fait une vidéo dessus, qui vous l'ont présenté ou autre. Vous irez checker, je vous la présenterai un jour. Mais voilà. Elle est plutôt sympa, je trouve que c'est un délire assez cool. Bon, on va aller aider le collègue, là. Il est au bout du monde, je crois. Je me sacrifie pour l'équipe, les gars. Oubliez pas le pouce bleu de l'équipe, parce que là, vraiment, je me sacrifie, mesdames et messieurs. Vous êtes prêts ? Je me sacrifie. Coucou Didi. Bienvenue, bienvenue. On peut pas rendre les clés, justement. C'est la dernière fois. Il y avait des soucis. Les clés, je suis obligé de les garder. DP1 pour DP2 ? Transmis. Ouais, si tu veux, je peux récupérer centrale. Ok, ça marche, bah je te laisse du coup. Vas-y, ça marche. Toi, tu restes au DP1, d'accord ? Ouais, ouais, ça marche. Parfait. T'as géré, là, les dernières missions que t'avais à faire ou il y a des choses encore de prévues ? Bah, le problème, c'est que c'est tout... il faut tout dépanner parce qu'il y a une outil, c'est une RS6 qui est plantée là, à l'entrée, mais il n'y a personne. Ouais. À l'entrée d'Union, et il y en a une sur la 2x2 voie aussi. Enfin, après, je pense que c'est comme voiture sur la 2x2 voie, mais... Je sais pas, j'ai pas été voir encore. Je vais aller checker sur Union. T'as quoi, ton véhicule ? C'est un DAF. C'est quoi, c'est un plateau ou pas ? Oui, oui. Ah, donc du coup, t'as un plateau ? Ouais, j'ai changé, sinon ça allait être le bordel. Bah, on aurait fait avec, hein, on aurait improvisé. Vas-y, ça marche. Bah, moi, j'ai le véhicule de réparation. Ce que je pourrais faire, je le ferai moi-même. Et le reste, je te laisserai pour les véhicules. Ça marche ? Ok, c'est bien reçu. Vas-y, parfait. Du coup, je reprends 113. Par contre, du coup, je prends les RSI, si c'est débloqué, je vais aller voir ça, je vais te confirmer. Ouais, ouais, finis ce que toi t'as pris, je reprends qu'à partir de maintenant. On va se mettre en... canal supplémentaire, voilà. Allez, go, en avant. Bon, bah, let's go, mesdames et messieurs. Let's go, let's go. Ah si. Ouais, je peux pas vous le dire. J'ai taffé sur la carte en privé, en offline, tout ça. J'ai corrigé des bugs. J'ai pas mal réduit la taille de la carte et j'ai même trouvé un truc assez stylé. Mais je vous dirai rien parce que je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Vous allez me dire pourquoi tu nous le dis alors ? Bah comme ça vous savez que voilà, ça taffe. Il y a des trucs assez stylés qui vont arriver. Et je préfère rien dire pour le moment. Je vous laisse the surprise. Bon, on va aller voir sur Union, c'est quoi le zbeul encore là ? DP1 pour centrale. Ah, par contre, DP1 pour centrale. Moi, je suis DP2, je lui ai dit. Transmet. Il a rien compris. Ah ouais, maintenant, du coup... Il a rien compris. Excuse-moi. Il a rien compris.
Ouais, DP2 à l'écoute, je suis à côté. Moi, je suis DP2, hein. Ouais, mais vu que en fait c'est pris en centrale, c'est bizarre. Enfin bref. Mais du coup, une c'est fini. Du coup, je me rends sur la 2 fois de voie pour le véhicule abandonné. Ok, ça marche. Je vais aller checker. Les appels, tu les gères toi-même, hein. S'il faut appeler la DIR ou autre, DP1, tu gères tout seul. Ok, ça marche pas aussi. Et du coup, par contre, en face, de l'autre côté du nord au sud, direction Union, là, je crois qu'il y a un accident. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu le bordel. Alors, si tu peux aller faire un tour, voir. Bah si t'es dispo, t'y vas, sinon j'attends que ça appelle, j'ai pas le temps de d'aller voir toutes les suppositions. Si ça appelle pas, je me déplace pas. Donc ça marche. En avant. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc là c'est mon DP. Véhicule à l'arrêt. Ah, il y en a un aussi ici. Ok. Vas-y, on coupe, on va aller voir de l'autre côté. Regardez mon sprinter en contresens là, mesdames et messieurs. La magie, évidemment. Bon, on va les patrouiller. Donc, les SPI sont en event de ce que j'ai vu. Les flics, je les ai pas vus encore. On va aller checker tout ça. On va essayer de prendre des bases en mécanique. On va aller voir. Ah, bah, regardez qu'on parle du loup. Bah, c'est bon, on a vu tout le monde, mesdames et messieurs. Tout le monde est dans la place. Ouh, ça arrive vite, ça. Oh, pas mal. Véhicule le Joker. D'ailleurs, il y a les véhicules Halloween qui vont arriver. Ah bah c'est bon. Bah je pense que les flics, ils arrivent aussi. Mais écoutez, tout le monde est là. Allons s'amuser. Ah! Pourvu que je ne me fasse pas éjecter. Ou dis donc. Hashtag, y a plus de place. Alors quand vous avez ce message, pour ceux qui se demandent. C'est souvent le week-end et les vacances. Ça veut tout simplement dire que le serveur est plein à craquer. Et que si vous avez déjà fait trop de bêtises, bah vous jouerez quand il y a plus de place. Donc, ne faites pas de bêtises, respectez le règlement. Et puis comme ça, vous pourrez jouer tout le temps. On va aller voir au Shop Event ce qu'il y a. Parce que des fois, il y a des bagnoles assez stylées. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouais. Je vais peut-être pas l'acheter. On attendra qu'il y ait un truc un peu plus. Là, les rouges avec des bandes blanches. Mouais. Elle est jolie, hein, mais bon. Je préfère quand c'est un peu plus. Vous savez, quand c'est un peu plus. Un peu plus visuel. Si c'est juste une bande blanche. Ça va pas force. Enfin, je pense que je vais pas forcément gagner d'argent là-dessus, et donc. Non. Je change d'avis, en fait. Du coup, on va patrouillage ici, voir s'il n'y a pas une bagnole qui éclataxe. Et après, on va retourner de l'autre côté pour voir un petit peu ce qui se passe. Je suis en double écoute. Mais écoutez, pour le moment, tout se passe bien. Je gère. On m'appelle. Allô, messieurs. DP, bonjour! Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Parfait. J'ai cassé au niveau du QGTP justement et j'aimerais bien que vous venez m'aider s'il vous plaît. C'est quoi comme véhicule? C'est une Kia, une voiture, une petite voiture. Et vous êtes juste en face du QGDP? En face, ouais, en face dans l'espèce de virage là. Ok. Est-ce que votre véhicule a pris feu? Vous avez dit quoi, monsieur? Excusez-moi. Est-ce que votre véhicule a pris feu? Négatif, négatif. Très bien. Vous êtes accidenté avant, arrière. Est-ce que la voiture a fait des tonneaux? Négatif, juste avant gauche, j'ai tapé un petit poteau. Dépanneur de police. Ok, ça marche. Bah écoutez, appelez la DIR, j'arrive pour le poteau. Police, je vous Ouais, merci écoute. beaucoup. Bonjour. Bonjour. Annulé, annulé. Ouais, et merci de ne plus déranger les lignes d'urgence. Non mais oh là! Vous avez vu les flics tout permis ici, mais tout permis! Tout permis, mesdames et messieurs! M'énerve, moi, les trucs comme ça! M'énerve, là! Avec canular téléphonique, là, des policiers. Attendez que je retrouve leur numéro, là. Vous allez voir. On va pas se laisser faire, mesdames et messieurs. DP1 pour DP2?
Ouais, c'est quoi ta situation? Eh ben là, moi je suis devant le QG là, parce que il manque les pinces garage, vu que là-bas je devais faire de la dépannage express. Et du coup, il y a un monsieur de la sécurité qui m'a amené en 2-2 vite fait. Du coup, là, il faut que j'y retourne, mais vu qu'il y a un accident devant le QG, il a posé ses cônes. Ouais, donc du coup, t'es dispo ou t'es pas dispo? Non, je suis indispo. Ok, ça marche. Lui arrive toujours des trucs incroyables à DP1, non? Maintenant, il est dans un véhicule de sécu parce qu'il a pas son matos. Ah là là, le chômage, mesdames et messieurs, c'était peut-être pas si mal que ça au final. Hein. Bon, on va aller aider Pépère avec sa voiture là. On s'appelle la radio. Ouais, DP2 à l'écoute. Ouais, c'était pour annoncer ma prise de service. Ok, tu reprends centrale? Il vient juste d'arriver, moi. J'ai pas reçu. Je viens juste d'arriver, moi. Je fais juste une prise de service. Ah, ok, d'accord. Excuse-moi, ça marche. Bon, en fait, si tu veux, là, le central est inactif. T'es sur la radio centrale? Ouais, je suis là. Ouais, bah, tu sais quoi? Mets-toi DP2, inverse-moi, comme ça je prends l'indicatif central vu que ça dure longtemps. Vas-y, bah, tu prends DP3. Ça a explosé, vous avez entendu? Ok, c'est reçu, mais j'ai aucun accès au doc pour m'inscrire, c'est possible. Attends, on va t'aider, je suis arrivé au QG, ça vient d'exploser là. Ouais, je confirme, je vois ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ça, c'est DP1 ça! On peut le dire. DP1 pour Central, qu'est-ce qui s'est passé? Et DP1, il a une vie de fou, mesdames et Pour messieurs. l'instant, j'ai aucune info, je suis à Union. Mais ça explose de. À mon avis, c'est pas loin du QG. Non, c'est le QG qui est en train d'exploser là. Qui c'est qui a touché à tout? Eh, vie de fou ici, les Non, gars! un véhicule a atterri sur le toit du QG là. Et comment il a fait? Ah, je sais pas tout. Il a acquis ce véhicule? Il venait de l'extérieur, donc impossible à savoir. Comment c'est possible qu'il vienne de l'extérieur s'il n'y a aucun DP qui est manquant à l'appel? Mais j'ai entendu un véhicule rouler à fond et puis d'un seul coup une grosse explosion. Donc du coup j'ai un DP qui est au sol? Non, un civil. Ouais, mais c'est un véhicule de DP qui brûle. Je pense pas, c'est un 4x4. Ah bah c'est un 4x4 avec des bandes blanches et rouges, c'est un véhicule de DP, ça. Sombre soirée, mesdames et En info messieurs. DP2, je t'ai repassé en centrale et je me suis remis en DP2. Donc t'es Ok. officiellement centrale. Ok, vas-y, parfait. Bon, du coup, pour le nouveau DP, t'es DP3, tu pars sur l'accident qui est devant le QG. Ok, c'est reçu. Mesdames et messieurs. Encore une soirée mouvementée ce soir. Bonsoir, vous savez ce qui s'est passé? Monsieur? Vous savez pas? Bonsoir, vous savez ce qui s'est passé? Bonsoir, il y a votre collègue, je pense qu'il a voulu sortir un véhicule et. Bah, Ah, il est le sorti, mais on véhicule n'arrive pas à voir. est. Il vient de la rue ou il vient de l'intérieur Ah du non, il vient QG? du. Il vient du QG, il n'y avait personne autour. D'accord, Bah, très je pense bien. que c'est votre collègue là, non? Oui, il va vous aider pour votre Ah, voiture. merci Vous beaucoup. savez si vous avez vu. Le véhicule a explosé tout seul? Ouais, d'un coup il est arrivé sur le toit et boum. Ok, ça Oh my marche. god. Bon, ça marche, Merci merci beaucoup. monsieur. Bon, centrale à toutes les unités pour l'accident au QG, c'est bon, c'est géré. Centrale pour DP2. Ouais, à l'écoute. Ouais, il fallait faire une petite machine à laver sur TV. Ouais, c'est bon, c'est fait. Bon, on est Ok, bon. c'est bon. On va aller voir pour débug ce bazar là. C'est pas facile, les gars, la vie de. Bon, tant pis. C'est pas facile la vie de DP, hein. Regardez-moi ça. C'est écrit en gros SOS dépannage. Est-ce que vous appelez un DP, vous, si vous voyez ça? Moi, je suis... Honnêtement, moi, je suis pas sûr, hein. Je suis pas certain d'appeler les mecs, hein. Avec le petit interdiction de stationner. Honnêtement, je sais pas comment on va faire là. Avec les SP, je vais les appeler, on va voir ça. Je vais essayer de gérer ça du mieux que je peux, hein. Faut le grimpe là au moins, non? Hélicoptère. Un Ouloucoptère, il va nous falloir là, mesdames et messieurs, je pense.
On va tenter, hein. On va tenter. Coucou Romain, bienvenue. Je sais pas s'ils vont répondre aussi. Alors, si tu veux changer le pont arrière ou l'échappement, ça va, tu vois. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui c'est que j'appelle? La sécurité, évidemment. Toujours la sécu qu'on appelle quand c'est ça. C'est qui la sécu ce soir? 114. Appelle la sécu, je sais pas quoi faire. Bah, à chaque fois on fait ça. Quand je suis en police, on sait pas quoi faire, on appelle la sécu. Sécu pour DP? Fait marrer quand ça scratch et que ça répond pas. Transmettez des panneaux. Ouais, bonjour, vous avez une unité de sécu dispo? Affirmatif. Vous pouvez l'envoyer au QGDP, s'il vous plaît? Reçu, je vous en envoie une. Merci. De rien. T'es aimable, le central sécu, ça. On sort. On va avoir un hélicoptère. Ah, faut appeler un DP-copter, là, je pense. Bon, sombre histoire. Ah, je t'ai vu, champion. Bonsoir, je peux vous aider? Bonsoir, collègue. C'est vous, central ou pas? Oui, oui, oui. Ah, PK, dites-moi, il y a beaucoup d'inter? Vous avez besoin d'un renfort ou... Bah, je sais pas, vous venez faire quoi sinon? Bah, pour faire des panneurs, justement, j'ai la liste. Ah, bah, allez-y, en plateau. En plateau, ouais, en plateau, c'est utile. Attention au véhicule, il y a un véhicule de sécu qui arrive là. Oui, je viens de voir ça, ouais. Bon, ça marche, à tout à l'heure. Ok, merci à vous. Hop, on a... Let's go again. Allô, DP? Ça c'est quoi, c'est à l'ODP là? DP à l'écoute. Oui, bonjour. Je t'appelle parce que quelqu'un a accidenté mon véhicule qui était garé sur mon parking et bah en fait je peux plus repartir avec. Vous êtes situé à quel endroit? Je suis au concessionnaire à Péritonia. Votre véhicule est accidenté, il a pris feu? Non, mais j'ai le voyant moteur rouge et j'ai mes roues cassées. Ok, est-ce qu'il y a des blessés? Non, j'étais dans le concessionnaire et la personne, elle a fait un délit de fuite, elle est partie. Ça marche pour information, les délits de fuite, c'est la police qu'il faut appeler. Ouais, mais bon, je voudrais déjà réparer mon véhicule. Non, y a pas de souci. Je vais appeler la police. Ça marche. Mettez un marqueur DP3, s'il vous plaît, sur la carte. Ok, je vous remercie. Merci. DP3 pour centrale. En fait, DP3, on a vu, il s'est passé en DP2, et du coup, DP2, je me suis repassé en DP3. Du coup, j'en ai un qui a fait une prise de une fin de service. Oui. Bonjour, excusez-nous, c'est accidenté. Non, mais, y a un gars qui est arrivé, là. Là, vous pourrez pas passer, il y a vraiment pas la place à voir si vous pouvez passer d'un autre côté. Il y a une voiture qui est sur le terre-plein. Sur la gauche de la route. Bah, c'est mis à interdit, moi je peux pas vous dire de le faire, mais... Je ferai rien si vous le faites. Vous pouvez changer le panneau. Non, mais je vais me retourner plutôt. Ouais. Du coup, centrale au DP, est-ce qu'on en a qu'on fait des fins de service? Négatif, moi c'est DP2 et c'est Frédéric Plaster. Ah bah DP2, t'es pas dessus, vas-y. Frédéric comment? Testor. T-E-S-T-O-R. Testor. Ok, ça marche, t'as quoi en véhicule? Mercedes Actros. Ok, t'es actif? Est-ce que tu es actif DP2? Ouais, je suis en train d'enlever le véhicule devant le ouais, budget. Donc ça s'appelle être inactif DP2 du coup. Ah oui, excuse-moi. Y'a pas de soucis, DP1 pour centrale, t'es actif? Oui, affirmatif, je viens de finir mon intervention, du coup je suis dispo. Parfait, bah tu pars sur le marqueur DP3 sur ton GPS s'il te plaît. DP3 sur ton GPS. C'est bien reçu, merci. Hop. Et DP3 pour centrale. Monsieur. Transmet. Ouais, toi t'es actif? Et dispo? Non, je suis sur l'événement moi. Ok, ah, ça marche, parfait. On a tout. Parfait. Je te préviens quand je suis dispo. Ouais, ça marche, pas de soucis. Attends, sinon, tu sais quoi, DP3, mets-toi plutôt DP9. Comme ça, mes DP actifs, je les mettrai à la suite. Évite d'avoir un trou dans mon doc. Parfait, je te remercie.
Alors, on va aller mettre qu'un accident. Bon, on est bon, mesdames et messieurs. Mettre le véhicule comme ça, là. Voilà, vaut mieux que j'appelle la DIR, je pensais quoi. On va appeler la DIR, ça évitera qu'on se fasse cartonner la bagnole. La DIR, c'est à 118. Normalement, ils sont là en plus, la DIR. Huitch. Heureusement que sur la radio, il y a plein de fréquences radio, c'est trop bien ça. 118. 118, 218, quand t'as un souci, tu les appelles. DIR pour DP. Normalement, ils sont là, je crois. Oui, DP. Oui, bonjour, il nous faudrait une unité de balisage et de sécurisation au QGDP, s'il vous plaît. On a un accident au niveau de l'haricot et c'est assez dangereux. Oui, bonjour, je suis désolé, je n'ai aucune unité disponible pour le moment. D'accord, merci. C'est la crise. C'est la crise. Bonsoir. Bonsoir. Bah, parfait, merci. J'allais vous dire de vous mettre un petit peu avant. Malheureusement, la DIR est pas dispo. Je cherche un véhicule pour faire ralentir un peu les gens avant. Ouais, la DIR, il est tout seul. Mais ouais, je sais, il peut pas venir. Mais là, ouais, on bah, est bon vu qu'on vient de libérer. Pas de souci. Ça marche, parfait. C'est bon pour toi, pour le chargement? Bah ouais, j'ai sorti ce véhicule là qui était arrêté en plein milieu là. Vas-y, ça marche. Bah mets-toi en sécurité avec le monsieur. Bonne soirée à vous. Parfait, merci. Oh. Bonne soirée. Bonne soirée. Un peu d'avant. Je dirais cette équipe, mesdames et messieurs. On va gagner la coupe des métiers. La coupe. Et vous savez, je viens d'avoir une idée incroyable. Dans Harry Potter, il y a la coupe des maisons. Pourquoi on fait pas la coupe des métiers sur Arma for Life? Ça serait trop drôle. Où on fait une compétition. Où chaque métier s'affronte sur des critères qu'on imaginerait entre nous. Ce sera un petit peu notre petite interville à nous, ça serait trop bien. C'est une méga idée. Ouais, il y a un event pompier, c'est pour ça ils sont tous là-bas. Ouais, DP à l'écoute. DP, je t'écoute. Centrale à l'écoute pour DP, je t'écoute. DP, hein, ça. C'est quel DP qui essaye d'appeler Centrale? Bonjour, qui c'est qui essaye d'appeler Centrale? C'est pas moi, DP. Ouais, t'as entendu un appel pour Centrale, non? Affirmative, mais je pense que c'était plus sur la 113, mais je suis pas sûr. Ah, c'est sur la 113? Ouais, non, parce que DP9, je l'ai entendu aussi, donc je suis plus sur la 113. Bah, c'est quel DP qui va appeler? Centrale pour DP. Centrale pour DP. C'est 113 ça ou 113.0? 113.1. Bah je suis 113.1, c'est moi Centrale DP, je t'écoute. DP, Centrale t'écoute. Ah excuse-moi, j'avais baissé le son de ma radio, l'idiot bête que je suis. Je me casse. Ouais, tu es DP3, c'est reçu. DP3, y a personne. Non, y a personne. Ah, y a personne. Transmets tes identités pour DP3, s'il te plaît. Ok, Jérémy O'Farrell et j'ai un Mercedes en plateau. Ok, c'est reçu, merci à toi. Tu es dispo? Ouais, dispo. Désolé pour la radio, j'avais baissé tout à l'heure trop, je pense. Pas de soucis. Et du coup, dispo. Ouais, c'est reçu, t'es mis sur le dock, tu peux commencer ta patrouille. Ça marche, ouais, avant. Je me disais, mais... Qu'est-ce que c'est que cet appel radio du futur, là? Je disais aussi qu'il y a un souci. Bon, bah YouTube, vous en avez assez vu pour cet épisode, je pense. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo, il y a des nouveaux DP qui arrivent. Je pense que ça va être une nuit fort en émotion, mesdames et messieurs. YouTube, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, arrêtez de faire exploser vos véhicules au QGDP, c'est chiant, et checkez-moi vos messages radio, parce qu'on va jamais s'en sortir sinon. Bisous à tous, c'était Centrale DP 113.00, la fréquence qu'il te faut pour trouver des hommes dans ta région. À demain YouTube, bisous, et merci Miru, le last sub, c'est vraiment très très gentil. Voilà, tu gagnes 15% sur ta prochaine réparation, c'est cadeau, c'est moi qui offre. And my YouTube. Bisous.